représentons une société locale de Piquigny qui est reconnue d'utilité publique, l'amicale des donneurs de sang de Piquigny et environ. Enfin, un peu d'histoire. Cette amicale des donneurs de sang a été créée par M. Audan en 1971. À l'époque, M. Audan était préparateur pharmacien. Et il y avait un adjoint au maire qui s'appelait Maurice Lévesque, qui a été aussi celui qui a été à l'origine de la création de l'amicale. Donc l'amicale démarre en 1971, et puis par la suite, M. Audan est remplacé par M. Michaud, par M. Le Guen, par M. Ronald Hédin, et aujourd'hui Madame Herbé, présidente depuis une vingtaine d'années. Alors, il y a dans l'année 4 dons qui se déroulent soit dans la salle des fêtes, comme ce soir, soit dans la salle rue des Chanoines, voire même dans la salle de la mairie. En général, depuis ces dernières années, les donneurs ont un peu diminué. On essaiera de demander au docteur pourquoi cette diminution de donneurs, alors que le sang coûte de plus en plus cher et qu'il se raréfie. Et puis, on essaiera aussi de demander au docteur Casil, qui est ce soir avec nous à Piquigny, comment ça se passe, un don du sang, quand le donneur arrive, quand il donne sa carte à une secrétaire et qu'ensuite il passe devant le docteur, quels sont les conseils que le docteur lui donne et pourquoi, malheureusement, il arrive qu'un éventuel donneur ne puisse donner parce qu'il a un problème de santé, parce qu'il n'a pas respecté le délai des 4 mois, je crois. Voilà, donc on va aller voir le docteur qui va nous expliquer ce qu'est un vrai don du sang. Collecte de sang, c'est partie de notre travail régulier. Et nous sommes contents de voir, comme ici, qu'il y a un amicalisme important. C'est-à-dire que quand il y a sur un lieu de collecte des amicales aussi toniques que la vôtre, ça fait plaisir parce qu'on a parfois dans certains endroits des difficultés à trouver des gens qui viennent accompagner, qui viennent stimuler, qui viennent susciter le don de sang. Ah, c'est très important, c'est très important. C'est même essentiel parce que ce n'est pas, vous savez bien, c'est très difficile d'avoir des donneurs réguliers. Les donneurs qui donnent depuis très longtemps sont relativement fidèles, mais vous savez qu'en France, il y a 4% des gens qui donnent leur sang, et sur les 4%, il y a moins de 2 dons par donneur et par an. C'est très peu. C'est pour ça qu'on manque de sang. Voilà, on est toujours en pénurie et là, il y a un appel récent, national, hein, qui vient d'être fait par notre Premier ministre pour le don du sang. Et je pense que ces appels, ce ne sont pas des appels, ponctuels. C'est en fait chaque mois que nous avons la même difficulté que nous rencontrons à avoir la quantité de sang nécessaire. Et ce n'est pas parce que les gens ne donnent pas moins qu'avant, c'est parce qu'il y a une demande de plus en plus importante dans les hôpitaux ou ailleurs. Dans la Somme, paradoxalement, on a plus de dons qu'ailleurs. Hein. Dans la Somme, il y a des chiffres, disons, au niveau du don du sang qui sont relativement bons. Je pense qu'il y a, beaucoup de raisons, mais enfin, les raisons les plus importantes, c'est surtout la fidélisation des donneurs. Un entretien, en général, il dure 2 minutes avec le donneur, sans rentrer dans les détails. Alors, ça dépend de l'afflux. Quand il y a 2 médecins, quand il y a 3 ou 4 infirmières, c'est plus facile. Mais généralement, quand il y a beaucoup de monde, on accorde à peu près 3-4 minutes lorsqu'il n'y a pas de problème. C'est une moyenne, mais quand il y a un problème, eh bien, ça peut durer plus longtemps que ça. Et parfois, il faut analyser la demande et puis décider si oui ou non le donneur peut donner ou pas. En fonction de son traitement, en fonction de son état de santé, enfin en fonction de beaucoup d'éléments. Pour l'instant, j'ai qu'un refus, un refus. Donc aujourd'hui, c'est satisfaisant. Là, cette année, ça va, 2009, ça va être le passage à 69 ans. Donc actuellement, c'est en attente de signature sur le plan national, mais on va passer probablement à 69 ans pour tous les donneurs, si bien que ça va améliorer, je pense, le flux de dons. Alors il y a le deuxième effort porté, il est porté chez les jeunes, dans les lycées ou dans les universités. Hein. Donc le premier don est souvent un don où il y a un afflux important de donneurs. Et le deuxième don est parfois plus difficile à obtenir, surtout si les gens restent pas dans le même établissement, quittent l'établissement. Donc voilà, c'est... Alors, de faire venir une deuxième fois.
c'est un test en général. C'est souvent un test, oui. Alors il faut surtout essayer, lors du premier don, de fidéliser les jeunes qui viennent chez nous. Alors parfois on y arrive, parfois c'est difficile. Et parfois pour eux ce n'est pas prioritaire, du coup, lorsqu'ils quittent le site, lorsqu'il y a une stimulation importante qui quitte le site, et bien après, si dans la famille il n'y a pas d'initiation, il n'y a pas d'environnement de donneur, c'est parfois difficile effectivement de les récupérer. C'est notre devoir d'être optimiste, hein, il n'y a pas de raison. Et alors les amicalistes, eux, nous aident beaucoup parce qu'ils font de la publicité pour le jour où nous passons dans les villages, et ça nous aide. Il y a de l'information par banderole, par papier, par affichette, etc. Et pour nous, c'est très important.